Bonjour à tous, c'est Shellbros et bienvenue dans ce Let's Play de Luigi Mansion. Et du coup, aujourd'hui, nous allons continuer à faire attraper des petits bouts et des petits fantômes. Je crois bien que là j'ai raté. Bon, actuellement, c'est juste une salle de petits fantômes. Voilà. Et voilà. C'est pas encore fini, il y en a encore d'autres. Il y en a trois. Parfait ça. Ah bah on a les gants de Mario. Et on a un log. Tout propre c'est chambouin. Ok. D'accord, si tu veux le bout. Actuellement, on peut aller voir la voyante, du coup, qui va nous dire des petites prédictions sur Mario grâce aux gants qu'on a eus. Allez, allume-toi. Voilà. Bonjour toi. Vas-y. Oui, bravo. Bon là, il dit toujours la même chose. Écoute, tu m'entends pas? C'est la douce voix de notre cher Mario. Mon Dieu, qu'est-ce donc? Un roi? Le roi Bou? Qui est ce roi Bou? Je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire. Attention, roi Bou, c'est ce qu'il veut te dire. Je vois un Bou couronné. C'est le roi Bou, c'est lui qui a capturé ton frère. Ah, je ne peux plus rien dire. Les esprits me quittent. Mais je le savais déjà, ça! T'exagères quand même, madame. Tu me dis des choses que je sais déjà. Il me faut de l'eau. D'ailleurs, en y passant. Et là, actuellement, je sais qu'il y a de l'eau. Voilà, j'ai de l'eau. Non, pas Mario. Il y a des lags, sérieusement. Normalement, c'était là. Il est censé avoir... un fantôme de feu que j'ai déjà aspiré.
c'est tout. C'est tout. Là, la porte elle est ouvrable. La porte ici elle est ouvrable aussi. Là, celle-ci elle est fermée. On va aller voir là-bas. Non, mais ça suffit les lags, oui. Celle-ci qui est ouvrable. Là, il va falloir du feu. D'accord, il faut du feu. Bon, on reviendra ici quand on aura du feu, je suppose. Mais là, dans les flammes, il n'y a pas de feu, non? Bon, bref. Allons ici, du coup, c'est la prochaine étape. Ben alors, tu viens? Allez, tiens là, c'est bon, elle est dans l'aspirateur. Couche chevique. Il y a 100 HP, sérieusement, il y a plus de HP que les bouts normales. Il est rentré. Bon, non. Ouvre le coffre, lui dit. Ah, mais c'est la chambre au premier étage, ça. Il va falloir descendre. Bon, on est au rez-de-chaussée. C'est l'endroit où il y avait les parents, là, il me semble. C'est vrai que si on y avait un miroir, on aurait pu se téléporter ici directement. Bon, c'est de ce côté-là, du coup. Et c'est censé être cette porte. Mince. Je voulais juste bouger le meuble, hein, désolé. Chambre des jumeaux. Bonjour les jumeaux. Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites ici tout seul? Et pourquoi tu jouerais pas à cache-cache avec nous? D'accord, jouons. Yeah. Ok, on va se cacher maintenant. Va attendre dehors. D'accord. C'est bon, tu peux rentrer maintenant. Pas mal, monsieur. Alors, c'est simple, pour savoir lequel est enfermé, en fait, il faut juste aspirer le cadeau
Et le cadeau va bouger en fait. Hé, c'est pas juste, t'es qu'un tricheur. Je vous ai pas dit que j'avais pas le droit de tricher. Hein. Non, 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 je voulais pas me faire avoir par son feu là. C'est bon, j'en ai attrapé un. Voilà. Je bourrisse. Bon, ok, il s'est barré. Bon, on a trouvé les chaussures de Mario. Elles sentent les pieds. D'accord, si tu veux. Ça doit être la chambre là. Non? Bah c'est la chambre d'à côté alors. Je sais pas, il s'était barré ici, donc pour moi c'était la chambre là, quoi. Il est chiant ce bout parce qu'il arrête pas de se barrer. Voilà. Viens dans l'aspirateur. Bon, bref, on n'a plus qu'à aller voir la voyante nous faire examiner cette jolie chaussure. Et du coup, il nous reste plus qu'un endroit où on peut aller, c'est l'endroit où on pouvait mettre le feu là. Donc il va falloir du feu. Allez, brille petite, brille. Voilà. Bonjour, j'ai une chaussure qui sent les pieds. La chaussure de Mario laisse maîtriser comme il y avait marché un millier de kilomètres. Bah, tu m'étonnes avec toutes les princesses qu'il a dû délivrer. Hein. Bla bla bla. Ah, je l'entends. Ton frère Mario t'appelle. Il a besoin de toi. Comment le pouvoir des boues? Tu veux nous parler de leur étrange pouvoir boue? Oh, les boues ont de bien étranges pouvoirs. Lorsqu'ils se rassemblent, leur pouvoir croît, mais ils craignent le puissant ectoplasme de 3000. Il me reste juste assez de pouvoir pour étudier l'un des objets perdus de ton frère. Mes forces m'affaiblissent. Je crois que c'était plutôt mes forces faiblissent. Mais bon, c'est pas grave. Allez, viens là, le feu. Bon, on va aller à la salle étoilée là, qu'on avait vue tout à l'heure. Et on va mettre le feu sur les torches du coup. Bon, bref, du coup, normalement, c'est par là et on descend. C'est juste ici. Néon. C'est bon? Là, il reste une torche. C'est bon. Mm-hmm.
Voilà. Voilà, il faut juste capturer des petits fantômes, donc ça va encore. Non mais j'étais coincé dans le mur là, je pouvais absolument rien faire. Non mais sérieusement. Je voulais avoir les deux en même temps mais j'y arrive même pas toi. Putain, je suis moche. What? Viens là. Monsieur moche. Il a dit lui-même, hein. Donc il avoue lui-même qu'il est moche. Hein. Me tapez pas sur les doigts. Wow. Oups. Je crois que c'est bon. Voilà. On a pété la lune. Oh, regardez-moi ça, c'est une étoile. L'étoile de Mario, je parie du coup. Ça fait ça l'a fait le bruit de l'étoile, sérieusement. Trop bien. Rip le télescope, hein, du coup, j'ai envie de dire. Et on le verra un autre jour. Le télescope existe, bel et bien. Mais autre part, dans Mario Galaxy. Vous montrera un jour. Bonjour madame, je reviens vous voir du coup. Je vous apporter une étoile carrément là. Qu'est-ce que vous allez me dire comme bêtise encore que je connais déjà? Vas-y, dis-moi encore des trucs qui ne servent à rien. La scène est là devant moi. Et qu'est-ce donc, Bowser? Comment est-ce possible? Je vois l'hideuse forme de Bowser. Se trouve-t-il quelque part dans cette maison? Je n'y crois pas, et pourtant, je croyais que Mario avait vaincu Bowser. Le roi Boule aurait-il ramené Bowser à la vie?
Ce serait horrible, enfin pour toi. Désespéré me quitte, mon pouvoir s'évanouit. C'est tout ce que je peux te montrer, lui dis-je. C'était mon dernière force. Je peux tranquillement retourner dans mon tableau. Renvoie-moi dedans, espèce d'aspirateur fou. Ah, la jeunesse. Ah, je peux rentrer en paix dans mon tableau. Rien de tel qu'une bonne peinture à l'huile. Merci mille fois, mon petit Luigi. Voilà. Enfin une clé. C'est plus un objet. Ah, c'est clairement au deuxième étage. Bon, il est censé avoir un bout ici du coup. T'es là. Je suis Luigi. Boogie, d'accord. What? Attendez, je crois que j'ai mal lu, mais il a dit salut, je suis Luigi, je suis Bougie, ou un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, actuellement, du coup, on en a fini avec la voyante. On a récupéré, du coup, tous les objets de Mario. Comment il a pu perdre autant d'objets, sérieusement, alors qu'il a encore cette casquette et son gant? Et je suppose qu'il a encore ses chaussures, c'est faux. Encore, les étoiles, il peut en avoir plein. Il peut en avoir plein et il y en a 120, donc... Bon, apparemment, c'est censé être au deuxième étage. Non, pas ça, pas ça. Ça. Ça, c'est une fausse porte. Bon, bref. Censé avoir quelque chose ici quand même. Mario. Bah, il y a absolument rien ici. Tu peux me dire qu'il y a absolument rien ici quand même. Il est censé avoir quelque chose ici. C'est pas possible d'aller autre part. C'était quand tu veux pour apparaître, toi, monsieur, là. Il faut de la glace. Je peux même pas le tuer, il faut de la glace. Au revoir. Est-ce que là c'est possible d'entrer? Non. C'est pas possible. En plus, il n'y avait même pas de glace en plus. Mais que je réfléchisse de toute façon, il n'y avait même pas de fantôme avant que je rentre. J'ai cherché dans la pièce, il n'y avait même pas de fantôme en fait. Bref, il apparaît plus tard, hein, j'ai envie de dire.
C'est pas si grave que ça. On va aller capturer ce fantôme et puis c'est bon. Où ça? Petite. Y'en a! T'es où? Bah, t'as disparu, ok. En même temps, ça signifie pas grand chose. Il y a des musiques, toi. Mais c'est censé être une souris, elle dort, mais tu sais pas où elle est, tu sais pas où elle apparaît, et puis voilà, quoi. Tu te démerdes, en fait. Puis là, il est plus là. Que je re-rentre, que je sors. Je les ai bougés tout à l'heure, les cerfs. Tout à l'heure, je les ai bougés, hein, les cerfs, hein. Je suis pas d'accord. Là, il y a des bananes, sérieusement. Voilà. Je suis bouseux, vendu. Non mais c'est déjà pareil, sérieusement. T'exagères un petit coup. J'ai même pas appuyé. Mais c'est pareil. Ça suffit, oui. Mais il est méchant. Non, mais il reste un HP, sérieusement. Viens là, là. Méchant, va. Bon bref, c'est sur ça qu'on va s'arrêter du coup. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Salut et bye bye.